Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, selon vous et moi, qui n'est pas normalement censée être uploadée sur cette chaîne aujourd'hui ou n'importe quand. De toute façon, je pense pas qu'elle sera très très longtemps en ligne, ou je verrai ça plus tard. comment je vais m'y prendre? Alors, bien évidemment, beaucoup seront surpris de voir cette vidéo, tout simplement parce que je suis censé avoir arrêté définitivement la chaîne The Sparrow Gamer. Donc il est censé plus y avoir de vidéos dessus. Et là, j'en refais une. Et pour les autres, pour les nouveaux qui arrivent, ou qui sont récemment arrivés en tout cas, et qui n'ont pas encore vu la vidéo où j'avais dit que j'arrêtais la chaîne définitivement, ne comprennent peut-être pas la vidéo, et c'est pour ça que je vous invite à la visionner entièrement, puisqu'il y a des choses que je vais vous dire qui, je pense, seront importantes. Et vu, je laisse à supposer, le titre de la vidéo que vous avez vu, je vous mens pas que je sais pas encore quelle sorte de titre de vidéo je vais mettre, parce que c'est assez compliqué. Vous avez peut-être une petite idée de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Donc déjà, pour passer à la moitié du vif du sujet, j'aimerais vous remercier tous, autant que vous êtes, actifs ou pas actifs, des 1000 abonnés. On a atteint les 1000 abonnés quelques jours après... oula, pardon. Quelques jours après l'arrêt de la chaîne, l'arrêt, là où j'ai mis la vidéo d'arrêt définitif. On a atteint les 1000 abonnés. Et puis on s'est stagné aux 1030, 1029 abonnés. Enfin voilà, là on est redescendu aux 1031. Mais enfin, c'est qu'un détail. En tout cas, je voulais vous remercier, hein, parce que j'avais fait une vidéo remerciement pour les 50, les 100, les 200, les 400, les 500 et les 700, ainsi que les 700, non, c'est tout. Et je m'étais promis de vous faire une vidéo de remerciement jusqu'aux 1000 abonnés. Et pas de chance, j'avais arrêté la chaîne juste avant, mais je vous en refais une quand même. Un peu tardive, je vous l'accorde, mais une vidéo quand même, je pense, qui mérite d'être visionnée et qui mérite quand même sa part de sincérité. Donc, je vous remercie encore une fois pour les 1000 abonnés qui, honnêtement, pour moi, avoir un nombre à 4 chiffres en tant que nombre d'abonnés, ça m'a fait quand même assez bizarre parce que on était au 900, à chaque fois, tous les jours, je regardais, on a augmenté, 900, 980, 985, 990, 995, et c'est le 999 qui a duré le plus longtemps, allez savoir pourquoi d'ailleurs. Et au moment des 1000 abonnés, je m'en rappelle, c'est là où je suis rentré des cours d'ailleurs, et on avait atteint les 1001 abonnés, j'avais même pas vu les 1000 abonnés, mais enfin, c'est qu'un détail également. Donc voilà, donc un gros merci à vous tous. C'est pas une vidéo exclusivement aux 1000 abonnés, hein, donc il y aura pas de choses très spéciales. Enfin si, justement, il y aura un truc très spécial, mais il n'y a pas de gros dédicaces comme j'avais fait aux 500 abonnés. Enfin voilà, des trucs comme ça. Donc pour les remerciements des 1000 abonnés. Ensuite, pour les gros curieux sur ma chaîne, qui s'amusent à voguer un peu à gauche et à droite sur la chaîne The Sparrow Gamer, vous avez certainement vu quelques petits changements, ou même gros changements, sur celle-ci. Quels sont ces changements? Alors déjà, j'ai supprimé une bonne petite flopée de vidéos. Alors, quelles sont les vidéos pour vous éviter d'aller chercher à gauche à droite, et surtout si vous ne les avez même pas vues, vous ne saurez pas lesquelles c'est. Alors déjà, j'ai supprimé tous les gameplays de la chaîne. Parce que... Je restais sur le fait que la chaîne The Sparrow Gamer était une chaîne de tutoriel, même si le nom en lui-même ne porte pas vraiment le nom du tuto absolu. Je prenais quand même en compte le fait que j'avais commencé en tant que chaîne de tutoriel, et mettre des gameplays, ça allait un peu, entre guillemets, salir un peu l'image de la chaîne de tutoriel, et c'est surtout grâce aux tutoriaux notamment que j'ai fait connaître ma chaîne, et c'est d'ailleurs l'essence même de la chaîne, hein. C'est grâce à ça que les abonnés viennent, et viennent toujours d'ailleurs, hein, grâce aux tutoriaux très reconnus d'ailleurs d'Audacity et de son plugin. C'est également toujours sur les tutoriels que j'ai encore des commentaires, hein. Je réponds toujours d'ailleurs, comme vous l'avez vu, je vous avais bien dit que je répondrai à tous les commentaires encore
encore qui a été postée, et j'y réponds toujours, hein, notamment sur la vidéo du plugin d'Audacity Antares Autotune, hein, qui pose toujours énormément de problèmes aux gens, hein, faut le dire quand même, où il y a pas mal de solutions d'ailleurs en commentaire, mais enfin, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai supprimé pas mal de gameplay, j'ai supprimé pas mal de concepts qui est relié par exemple au concours abonné, qui est relié aux vidéos spéciales. Quelques vidéos spéciales, je les ai pas toutes supprimées, mais beaucoup de vidéos qui ne sont pas des tutoriaux. Donc tout cela, je les ai supprimés. Il y a juste les vidéos gameplay de Happy Wheels, qui sont les premiers gameplay de ma chaîne et qui ont vraiment marché, que j'ai mis en non répertorié. Donc vous pouvez les trouver, bien évidemment, je crois, soit en naviguant dans les vidéos de ma chaîne, mais vous ne pouvez pas les trouver via la recherche YouTube, ou alors seulement si vous avez le lien. Alors je sais plus lequel est le bon, soit si vous voyez sur ma chaîne et que vous les trouvez, ou uniquement si vous avez le lien, je sais plus. Mais en tout cas, les gameplays d'Abbeywheels sont pas supprimés, mais vous ne pouvez pas pour l'instant les voir directement. Et tous les autres gameplays ont été supprimés. 13, Dishonored, le Skyrim Apocalypse aussi, tous les let's play et tout, j'arrivais vraiment pas à les finir. Skyrim Apocalypse, dont j'avais effacé complètement d'ailleurs les vidéos sur mon PC comme un gros dodu. Donc voilà pour la suppression des vidéos. Et ensuite, j'ai fait pas mal de changements. Pas mal de changements, j'abuse peut-être un peu. J'ai notamment changé le logo. Alors, je l'ai changé juste la couleur, hein, j'ai fait un petit effet dessus. Donc voilà. Et j'ai également changé la bannière de la chaîne. Donc, ce sont des trucs tout simples. Mais je pense que pour ceux qui les ont remarqués, ça leur a peut-être titillé un peu le cerveau. Et peut-être qu'ils se sont dit quelques petites choses. Et si c'est le cas, bah vous allez le voir dans quelques minutes. Je tiens à m'excuser si j'ai une voix un peu bizarre, je suis légèrement malade, ça va pas plus que ça, mais j'ai un peu le nez enrhumé et la gorge qui me joue quelques tours, donc voilà. J'ai notamment aussi la voix qui est beaucoup plus grave qu'à l'habitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, il y a les petits changements comme ça, donc il y a, comme je viens de le dire, le logo et la bannière. Je ne crois pas que j'ai changé autre chose, si ce n'est l'intro au début de cette vidéo, parce que c'est une nouvelle intro également. Je vais également changer toutes les descriptions des vidéos. Alors ça intéresse peut-être pas certaines personnes, puisque certaines personnes ne regardent peut-être pas les descriptions, hein. Ça c'est leur choix, écoutez, mais c'est un détail quand même que je tiens à dire. C'est quand même une description des vidéos, et je pense que c'est tout question changement. Et donc on va passer au gros vif du sujet, qui est bien évidemment, je pense que finalement, en fait, je l'aurais mis en gros et bien avancé sur le titre de la vidéo, l'annonce de la reprise officielle de The Sparrow Gamer. Alors, je m'explique. Déjà, voilà pourquoi je ne voulais pas vendre, prêter ou donner ma chaîne, puisque j'ai été étonné d'ailleurs de voir des commentaires sur la vidéo où j'ai annoncé l'arrêt de la chaîne. De voir des gens qui m'ont demandé si je pouvais leur vendre la chaîne ou leur donner. Alors, j'ai été flatté, dans le sens où, voilà, donner une chaîne, c'est pas rien, c'est mes abonnés. Le fait est quand même que je trouve ça un peu injuste, puisque ce sont des gens qui reprennent une chaîne qui a déjà des bases, hein, qui a déjà, par exemple, 1000 abonnés, et c'est pas rien, hein, parce que l'étape entre 0 et 1000 abonnés, c'est bien bien chaud, hein, faut le dire. Enfin, ça dépend des concepts qu'on utilise. Enfin, j'ai été très étonné quand même, mais c'est pour ça que je voulais pas la donner, et également parce que j'avais des données du genre adresse email, mot de passe, etc., qui sont liées à ma chaîne, que je voulais garder tout simplement, hein, puisque c'est quand même une chaîne de tutoriel, une chaîne où on n'efface pas les vidéos, hein, je suis désolé, mais on n'efface pas des tutoriaux sur YouTube comme ça. J'ai décidé en fait de reprendre la chaîne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, j'ai eu une envie de reprendre les tutoriaux. La chaîne Venic me plaît bien, hein, je continue toujours la vidéo là-dessus. La chaîne Visual Graphique continue toujours là-dessus également. Et la chaîne The Sparrow Gamer, en fait, les tutoriaux me manquent. C'est bizarre peut-être pour certains, mais moi, j'ai commencé sur YouTube sérieusement, parce que j'ai fait d'autres vidéos, d'autres chaînes qui ont raté, bien évidemment, sur YouTube, mais qui ont raté, qui n'étaient pas des tutoriaux.
Et The Sparrow Gamer est la première chaîne de tutoriaux qui a fonctionné pour moi sur YouTube. Et les tutoriaux sont vraiment quelque chose que j'ai aimé à faire et que j'aime toujours autant. Et donc je me suis dit, est-ce que je fais des tutoriaux sur Visual Graphics ou sur Vanic? Je me suis dit, non, je vais reprendre la chaîne d'origine de tutoriels et je vais m'y remettre. Donc voilà, donc on peut dire en fait que j'ai eu un très gros moment de manque de motivation concernant la tenue de cette chaîne de The Sparrow Gamer. Donc j'ai fait un gros break, comme on pourrait dire. Et donc je décide de la reprendre doucement. J'ai fait les changements nécessaires, j'ai fait l'intro etc. avant pour ne pas avoir l'affaire à après. Et pouvoir vous proposer des vidéos assez rapidement. Donc voilà, donc en fait, je décide de la reprendre pour juste les tutoriels, les tutoriaux. Donc rassurez-vous, je ne mettrai plus de concepts divers, hein, de concepts de gauche à droite. J'ai bien retenu la leçon. Oula, j'ai le nez qui me joue des tours, excusez-moi. J'ai bien retenu la leçon, dans le sens où c'est très difficile à gérer une chaîne très mixte, dans le sens où il y a des gameplays, des tutoriaux, etc. C'est très compliqué. Alors voilà, là je ne mettrai que des tutoriaux, promis, je vous le promets. Oula, pardon. Je vous le promets à tous et à toutes que je ne mettrai que des tutoriaux. Donc voilà, pas de soucis là-dessus. Je pense que c'est tout. On va pas en faire non plus tout un fromage, la vidéo dure 11 minutes, je vais pas non plus faire une vidéo de 15-20 minutes. J'espère que la reprise vous plaira, qu'elle vous plaît en tout cas, j'espère que... Bon, ça ne peut pas décevoir des gens, je laisse à supposer, mais j'espère que ça vous fait plaisir, moi ça me fait énormément plaisir. Je vais m'y remettre dès aujourd'hui parce que j'ai une bonne grosse journée de tournage vidéo pour moi, donc j'ai tout mon temps libre, donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc la première de la reprise de The Sparrow Gamer. Je vous dis à la prochaine, portez-vous très bien jusqu'à la prochaine vidéo et bien après, bien évidemment. Et sur ce, voilà, portez-vous bien encore une fois. Allez, ciao les gens.